vouliez me voir ? Asseyez-vous, Mendoza. Je vais faire quelques changements pour vous deux. T'inquiète, il va pas te coller à la circulation. Non, pas tout de suite. Donc, Léo, notre cher ami, nous a dit ce qu'il savait et il est reparti tranquillement. Il voulait pas de notre protection, alors ? Dites à Nick ce que Léo nous a apporté. Des ballots de drogue. Sans déconner. Les avions volent, les drogues tombent, plouf, dans les Everglades. Montrez-lui. Une carte de pêche. Qui a monté l'opération ? Un connard du nom de Rémy Nels. Il y a encore 2 ans, ce Nels n'était rien d'autre qu'un petit point sur le radar. Aujourd'hui, il dirige toute l'organisation qui a employé Tyson Latchford. Il a l'air d'un mec ambitieux. En effet, je veux que vous rappliquiez dans ce trou boueux qui nous sert de parc naturel pour découvrir à quel point il l'est. Mais je comprends pas pourquoi Léo aurait dénoncé son boss avant de repartir tranquillement. Léo a dit qu'il ne se sentait plus vraiment en sécurité avec les flics. Ce sera tout. En fait, Mendoza, je dois vous parler. D'accord. Votre équipière est une vraie tête brûlée. Elle croit en ce qu'elle fait, chef. Bonne réponse. Assieds-toi, fiston. Ça risque de nous retomber dessus, ce qui s'est passé à l'Elmore. Brutalité excessive, etc., etc. Ne t'en fais pas, je m'en charge. On est reconnaissant. Mm-hmm. Merci, chef. Ça va, ta mère, inspecteur ? Excusez-moi. Je suis sûr qu'elle a enduré pas mal de choses pour te faire sortir de Cuba. On ne devient pas inspecteur à ton âge sans que ton passé soit examiné à la loupe. Et ton passé est plutôt chargé. Chef, je... Ah, c'est rien. Je sais ce que c'est que d'avoir un connard comme père, moi aussi. Ça m'a pris du temps pour trouver mon chemin. Tu es... sur la bonne voie, fiston. Alors reste-y. C'est quoi cette carte pourrie que Léo nous a refourguée ? L'échelle est complètement faussée, mais... c'est censé être là. Il l'a filée à Dose sans se faire prier. Comme ça, gentiment. Oui, ben, gentiment ou pas, elle est merdique, franchement. Il y a un truc que je capte pas. Qu'est-ce qu'il a à y gagner ? Il y a forcément quelqu'un ou quelque chose qui lui met la pression. Léo tient à ce qu'on sache que quelqu'un balance cette cam. Histoire qu'on élimine ses concurrents. J'ai raison. Léo sait qu'il est grillé à Miami. Ma main coupée qu'il est en train de monter en ce moment même un labo de stup dans l'Iowa. Au fait, est-ce que tu pourrais me dire ce qui t'a pris de lui foutre une raclée pareille ? Léo me faisait vraiment chier, je voulais qu'il se calme un peu. Ouais, mais la police des polices aussi aurait pu te faire chier, t'y as pensé à ça ? Ah, voilà. Rapproche-nous du point de livraison.